chers frères et sœurs en Christ, encore bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Une excellente joie pour moi de encore me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez tous bien et que le Seigneur vous garde en cette période de maladie afin que vous soyez protégés. Je vous invite à méditer aujourd'hui. Le prologue de Jean, au chapitre 1, verset 1 à 18. Je lis Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, Éclaire tout le monde. Éclaire tout l'homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est, est celui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole c'est la vérité, rends-nous sains par ta vérité, au nom de Jésus. Amen. Le thème de cette méditation d'aujourd'hui porte sur Dieu aime l'homme dans sa fragilité. Dieu aime l'homme dans sa fragilité. Monsieur Gary Burge disait qu'un lecteur occasionnel du premier siècle du prologue du quatrième évangile, évangile aurait peu de difficultés à comprendre la description du, de Jean, la description dont il fait de la parole. En tant que concept, la parole, donc le Logos, en tant que concept, c'était assez simple pour eux puisqu'ils étaient. Euh, C'était pas un thème comme il est pour nous aujourd'hui, un thème euh, non familier. Il était familier pour eux. Le Logos ou la Parole ou le Verbe, dans certaines versions, était la loi intelligible des choses. Le, le, le Logos de Dieu était la rationalité transcendante de Dieu qui a donné l'ordre et le but de l'univers. Un juif hellénisé, donc un juif qui parlait grec, attendrait rapidement un volume de littérature sur la sagesse expliquant que la sagesse de Dieu ou sa parole ou encore son logos donnait à l'univers sa forme et sa cohérence. En tant que tel, le logos de Dieu était étranger aux voies humaines au-dessus de nous et éloigné de nous, nous guidant de loin. Jean 1, 14, d'un autre côté, plongerait un tel lecteur euh, héléniste dans un silence stupéfait parce qu'il dit que le Logos devint chair et habita parmi nous. Chair, la chair est la sphère terrestre qui appartient à l'être humain. L'arène des décisions et des émotions humaines, c'est aussi l'arène de l'histoire humaine et du péché humain. La chair représente tout ce que l'humain a de fragile, tout ce que l'humain a dans sa fragilité. Jean 1.14 contient donc le risque, le scandale de l'évangile et l'évangile même de la foi chrétienne puisqu'il dit que le logos est devenu chair. Le centre de la vie et de la pensée de Dieu est entré en profondeur, en profondeur dans les profondeurs de notre monde, et a pris sa forme, a pris sa chair, a pris son saxe afin d'être connu de nous et de nous sauver. Donc, vous voyez, c'est... La vie, Dieu, qui vient entrer en contact avec la fragilité humaine et même porter cette fragilité, pas simplement faire semblant, mais porter cette fragilité et devenir lui-même fragile. Cette affirmation sur le Logos et sur la chair est le cœur même de notre foi chrétienne. Dieu ne nous a pas abandonnés. Aucune humilité, aucune misère, aucun péché n'est au-dessus, au-delà de la compréhension et de la portée de Dieu. Il est venu parmi nous à embrasser notre monde de chair, donc de fragilité, dans son incarnation et nous a aimés. Il est assez facile de dire que Dieu aime le monde, hein, comme dans Jean 3,16. Mais dire que Dieu m'aime, dans ma fragilité et mon infidélité, qu'il aime ma chair. C'est une autre affaire. C'est le mystère et la puissance de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour avoir ce rappel que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il est même venu entrer en contact avec notre fragilité. Si nous pensons que nous sommes pécheurs là où nous sommes, si nous pensons que la vie que nous menons ne plaît pas à Dieu, alors sachons une chose, Dieu nous aime dans ce que nous sommes et il est venu justement pour nous sauver de cela. Il est venu pour nous extraire du péché, il est venu pour nous débarrasser de tout ce qui nous honore pas, de tout ce qui nous rend esclave afin que nous soyons libres par sa parole. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette parole nous, nous est adressée dans ce moment difficile de pandémie où le Seigneur vient pour entrer pour porter cette pandémie et pour venir nous dire, chers amis, chers frères et sœurs, chers enfants, je suis avec vous, je vous aime, même dans les temps de souffrance, et je serai toujours auprès de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Amen.